Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Germination et graines de palmier. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience. On va voir comment faire germer des graines de Washingtonia filifera. On va verser de l'eau dans le petit pot et on va voir un peu toutes les impuretés qui vont s'élever et les mauvaises graines aussi. Je verse un peu d'eau. Là, on peut déjà voir toutes les graines qui flottent. Ça sera les mauvaises graines à enlever. On va commencer par enlever toutes les mauvaises graines. Maintenant que toutes les graines qui flottaient ont été enlevées, on va les verser dans un petit pot avec de l'eau dedans pendant 2 jours. On va laisser chauffer à 25 degrés et on va la disposer dans la petite serre ici. On va faire ça maintenant. Maintenant que j'ai mis les graines à faire germer, je vais les mettre dans la serre. Et voilà, on va les laisser pendant 2 jours. Bien chauffé. Une fois que c'était fait, on va les planter dans du terreau de semis, préférable avec du semis de coco, c'est très très bien, ça garde l'humidité. Et puis quelques semaines après, qu'est-ce que ça va devenir? Et voilà, ceci sont les graines identiques à celles qu'on a plantées. Voilà. Vous montrer d'autres qui sont au stade avancé. Ça, c'est un Washingtonia robusta. Il a été planté le 23/4 en 2017. Il donne encore après quelques années. Ceci, c'est de 2017 toujours. Washingtonia robusta. Ça, c'est une des plantes d'avoir une dizaine d'années. Je vais vous montrer aussi comment différencier des fleurs mâles et des fleurs femelles d'un Trachycarpus fortuné. Ceci est un Trachycarpus. Là, c'est des inflorescentes mâles. Ils vont faire du pollen, mais il n'y aura pas de graines. Et les fleurs sont bien jaunes vifs. Ici, le pollen qui coule. Ici, c'est la même chose, à part que c'est les fleurs femelles. C'est eux qui vont porter les graines. Et les fleurs sont un peu plus jaunâtres. Même vert, on va dire. Sauf qu'on peut différencier les deux espèces, mâle et femelle. On va les laisser pendant 1 an, toute la saison, et fin de l'hiver, voire début printemps, on va récolter les graines et qui donneront des autres petits palmiers. Voilà que ça donne 1 an après. Ça, c'est des Trachycarpus. Et on voit encore d'autres. Allez, bonne journée à tous.